Bonjour, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ma cuisine. Marhaba bikoum dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais préparer des gâteaux sablés à la noix de coco. Douzou le maqadir wa tariqat at-tahdir. Pour le maqadir de gâteau, 335 g de farine ou de dakhik. 335 g تاع الدقيق، 80 غرام دو جوز الهندي، 80 غرام تاع الجوز الهندي، 80 غرام دو نوا دو كوكو، 7 غرام دو لا ليفور شيميك، 7 غرام تاع الخميرة د الحلوى، حبة بيض النف، 100 مليليتر دو لويل، 100 غرام و 100 مليليتر تاع الزيت. De sucre, 80 g de sucre, 80 g de beurre, 80 g de zoubda, une pincée de sel, qabsa malh, un sachet de sucre vanillé, bid, sucre, sucre vanillé. Je vais mélanger le sucre et les œufs. Zoubda. Une pincée de sel. On fait tout zoubda. Noix de coco, je vais lever 2 cuillères pour les tésines. La farine que j'ai tamisée. Et la levure. Et je vais mélanger. نديرو غير بشويه بشويه الفرينه والدقيق انا درت غير حاجه قليله وانتم لو حبيتوا ديروا اكثر اومي دوبل بور دوبل دويل Et voilà la pâte. Je vais le mettre au frigo, faites l'aja, 20 minutes à 30 minutes. J'ai pris un petit peu de chouïa de farina, un sac plastique alimentaire. On met un petit peu de farine. On prend le tabac. Ou ça. On choisit. Qu'est-ce qu'on veut?
une cuillère à café de sucre et noix de coco, jus le hindi, un jaune d'œuf et une petite cuillère à café du lait. On va mettre un petit peu de jaune d'œuf. J'ai allumé le four à 180. Charles Tufran à la 180. Et je vais le mettre au four pendant 10 à 11 minutes. On surveille la cuisson. Voilà les petits gâteaux. Ibn Sahara, Ibn Appétit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.